Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une petite revue liquide pour changer, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc aujourd'hui, on part chez The Few pour un liquide qui vient de sortir, d'une nouvelle gamme qui vient de sortir. Un liquide tout frais de leur production, que j'ai réussi à me procurer par le biais d'un ami à moi qui travaille en collaboration avec Few. Parce que honnêtement, Few, c'est une marque française très réputée qui produit d'excellents liquides, etc., etc. Mais j'ai jamais vraiment été attiré par leurs produits. Sauf jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour où mon ami me propose le nouveau produit de chez The Few, un tabac complexe en 40-60 PGVG. Il s'agit du Corpo. Le Corpo. Dans une fiole de 50 ml par The Few, comme on peut le voir. Il n'y a pas marqué l'édition de la gamme ou quoi que ce soit. C'est juste marqué liquide nicotine 0 mg, ingrédients 60 VG, 40 PG, arôme, illiquide sans nicotine, fabriqué en France, etc., etc. Tabac complexe, c'est écrit là. Tabac complexe. Alors, il s'agit d'un tabac blond avec une note de biscuit, de noix de pécan et de crème. Donc, sur le papier, ça a l'air vraiment bon, ça a l'air vraiment d'être le type de liquide qui me correspond. Donc, on va tester ça ensemble. Je l'ai reçu ce matin, mon ami me l'a passé ce matin vers 8-9 heures. Donc, je vous l'avoue, je l'ai déjà testé pour me donner une première opinion et je l'ai trouvé vraiment très bon. Donc, je vais le retester avec vous et vous donner une deuxième impression. Alors, je l'ai mis dans une Dotaio édition Clear avec une résistance d'1,2 ohm dot mode et c'est parti pour le Corpo de chez Few, le nouveau liquide qui vient de sortir, qui est disponible uniquement chez The Few sur le site officiel. Sur le petit vapoteur, il n'y est pas, je crois pas. Taclope non plus. Enfin, il est très difficile à trouver ce liquide pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder de pouvoir le trouver dans tous les shops en ligne ou même shops physiques que vous connaissez bien. Donc c'est parti pour le Corpo de chez The Few. Alors d'emblée, on retrouve un excellent tabac blond, pas trop fort, pas trop prononcé, assez doux. Puis vient un doux biscuit, un peu un biscuit au beurre, un palais breton dans ce genre-là, ou langue de chat, un biscuit au beurre, quoi, un biscuit sablé, c'est là où je veux en venir, un biscuit sablé. La noix de pécan, après, elle se fait très fortement sentir. On la sent vraiment bien. Pour ceux qui aiment la noix de pécan foncée, là, vous ne pourrez pas vous tromper.
On la sent vraiment bien. Et la crème vient en dernier moment pour adoucir le tout. Et ça rend vraiment bien, ça rend vraiment un très bon liquide. Ouais, un excellent tabac gourmand. Je suis vraiment surpris. Franchement, Few, ils m'ont toujours déçu. Après, chacun voit midi à j'ai plus l'expression, excusez-moi. Mais chacun a ses goûts et ses couleurs. Donc, moi, Few, ça n'a jamais été vraiment ma came. Mais ce liquide est vraiment sympa. Ce liquide est vraiment sympa. Le Corpo de chez Few. Ouais, c'est vraiment ça, un tabac blond, biscuit, noix de pécan et crème. Voilà, les amis. C'était le petit test rapide du Corpo de chez Few, le nouveau liquide qui vient de sortir de la gamme Few Tabac Complexe. Le Corpo, je vous remonte la fiole une dernière fois. Le Corpo en 60-40 VGPG au prix de 17,90 € sur le site de Few, donc un prix très correct. Pour une bouteille de 50 ml, qui comme vous avez dû vous en rendre compte, maintenant les liquides en 50 ml ça s'envole à des plus de 20 €. On trouve facilement des liquides à 21,90, 22,90, 23,90. Alors là, 17,90 €, je trouve ça très honorable. Donc bravo à The Few. Et continuez comme ça à nous sortir des petits liquides aussi sympas et je reviendrai vers vous aussi régulièrement que possible. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle revue. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.